party started. Yeah, it's time to get the party started. Yeah. Killer. Salut à tous, devinez qui c'est Mister Aspicette pour aujourd'hui un nouveau tuto entièrement sur Photoshop encore une fois. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment réaliser soit cet effet là que j'appellerai l'effet sang ou alors le fameux effet, l'effet gel, ici que vous pouvez voir. Donc deux effets, donc je vais vous montrer, donc ça va être assez rapide. Et donc c'est un tuto que je soumettrai donc à MAF Tuto et que je mettrai sur notre nouvelle chaîne communautaire des Daisy Design. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc vous pouvez donc aller sur Photoshop, ouvrir Photoshop et faire fichier nouveau. Et donc prendre, je sais pas, 500 par 500, on va mettre, histoire d'avoir un carré. Voilà. Donc vous allez déjà, nous allons déjà peindre le, enfin remplir le carré de noir. Et on va prendre l'outil écriture ici que vous pouvez voir. Commencer à y être habitué maintenant. On peut d'ailleurs ici mettre en blanc, ici vous voyez, cliquer dessus et mettre la couleur en blanc. Et donc moi je vais écrire tutoriel. Alors je vais vous conseiller donc comme écriture, bon déjà on va mettre on va mettre 110, voilà. On va mettre comme police d'écriture, je vous conseille Big Maca. Alors ici la voyez, et bien voilà, on peut mettre légère pour ceux qui ce n'est pas fait. On fait mais un peu trop grande, nous allons donc remettre à 90 80, voilà. Donc voilà, donc vous laissez, donc voilà, donc, toujours sur texte, donc on va toujours être sur texte. Nous allons aller dans filtre, dans filtre déformation et ondulation ici, voilà. Donc on clique, on fait OK et là on fait OK. Vous voyez, ça c'est déjà ondulé, on a l'impression que c'est des vagues, on va dire. Nous allons toujours sur filtre, donc nous allons faire atténuation et flou gaussien ici. Donc ici, pour ceux à qui ce n'est pas fait, on va mettre ici, la voyez, pixel 1,4. Voilà. Nous allons donc maintenant aller dans image, rotation de l'image, 90 en théoraire, ou alors on fait CTRL-T et voilà, et clic droit en théoraire, c'est pareil. Donc nous allons aller encore une fois sur filtre, esthétique. Si je me rappelle bien, oui, filtre esthétique et soufflerie. Voilà, donc c'est ça qui va déterminer si vous voulez un effet sang. Vous pouvez voir ici, là, un effet sang, ou un effet, je veux dire, un effet gel ici, ou un effet sang. Vous mettez droite ou gauche. Voilà, je vais vous faire un effet sang, donc je vais mettre le gauche. Donc soufflerie, rafale après, ça fait des traits, donc ce n'est vraiment pas beau. Et on voit plus le texte. Donc soufflerie. Voilà. Donc là on peut déjà remettre droit. Donc clic CTRL-T clic droit 90 horaires. Ou alors image, rotation. Voilà. Nous allons donc aller maintenant dans image. Réglage, teinte et saturation. Voilà. Nous allons donc mettre à 190. Oui. Redéfinir. 190. Donc ici vous voyez dans la teinte. La saturation, on va la mettre à 50. Voilà. On peut monter un peu la luminosité. Ça dépend, c'est vous qui choisissez. Et on fait OK. Nous allons donc maintenant double-cliquer. Donc vous voyez maintenant, hein, vous pouvez plus... c'est-à-dire vous ne pouvez plus rechanger le texte. Donc une fois que vous avez mis le texte, c'est pour la vie. Donc maintenant, on va aller donc ici, là, vous voyez, dans cette barre-là. Donc vous double-cliquez à côté donc de votre mot. De votre objet, et donc nous allons donc mettre incrustation en dégradé, vous voyez, et donc on va mettre évidemment du rouge et noir. Si on va avoir l'effet sang, le rouge c'est mieux.
créer. Voilà, donc c'était un rapide tuto. Bon, après, vous pouvez toujours, si vous voulez l'intégrer, donc sur votre. Voilà, donc si vous voulez l'intégrer sur votre. Sur une image, sur un background, tout ça, ou même en voulant faire votre logo, soit donc vous supprimez l'arrière-plan, ou alors vous faites clic droit, outil gomme Mavic, et vous supprimez le fond, mais ça revient au même. Et donc voilà, donc rapide tuto. Donc pour l'effet gel, hein, je peux vous le refaire si vous voulez rapidement, mais vous pouvez y aller. Oh, et même pas, donc vous voyez, hein, c'est juste à la place de soufflerie, il fallait mettre gauche. Et ici, après, eh bien, vous mettez dans les couleurs. Vous mettez donc des couleurs un peu bleu, voyez. Et ici, blanc. Et donc voilà. Donc ici, voilà. Donc voilà. Donc rapide tuto. Donc que j'enverrai un map tuto. J'espère que. Donc ce sera accepté. Donc j'en parle aussi là de ma chaîne Desime Design, donc nouvelle chaîne. Allez-y, abonnez-vous, ainsi qu'à ma chaîne Mister HP7. Et donc à plus, hein, donc pour un prochain tuto sur Photoshop, je pense, ou Cinema 4D. Allez, à plus.